dernière, c'était grave cool, du coup on est revenu et on vient voir Scorpion. L'ambiance dans le festival, parce que c'est pas prise de tête et qu'on est tous là et on danse ensemble, quoi, c'est cool. La musique, le soleil, le lac. C'est mon deuxième musée de lac, l'année dernière je suis venu 2 jours et cette année j'ai fait les 4 jours. Parce que je voulais chanter cette année mais j'ai pas eu de scène. ouais mais il va me filer une scène putain. Je suis mort, je suis revenu, j'ai plus le sida et personne ne veut me donner une scène. Selon toi, il y a combien de personnes qui bossent sur Musée Lac? Je sais pas, je dirais peut-être 200 personnes. 300 à peu près, quelque chose comme ça. 500, 800, 1000, 2000. 400. C'est pas trop. Oui. Concierge, régisseur de la scène Lac. On met en place le son, la lumière, la backline pour les groupes. On fait les changements de plateau des groupes. On les accueille. Ça consiste à prendre les fiches techniques, de voir les demandes des groupes, de s'adapter à eux et de faire qu'ils soient accueillis normalement. Tous les ans, ça évolue. Au niveau ça dépend des largeurs de scène, des hauteurs, il y a plein de choses qui évoluent. Tout dépend des demandes après artistiques et tout ça. C'est ce qui fait la finalité du festival. Je le vis bien. Sinon, je changerais de métier, mais je le vis bien. On voit beaucoup de monde. C'est un moment sympa, là on rencontre beaucoup de techniciens qu'on a l'habitude de rencontrer tout au long de l'année. L'idée de particulier, c'est qu'on est dans un beau cadre, on est au bord du lac, et puis ça vient de chez nous, c'est Rémi. Hein. Des belles rencontres avec des beaux artistes, voilà, que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer avant.